pile poil en même temps que monsieur Sandro Scherrer et les 22 acteurs qui vont démarrer ce quatrième derby. À mon tour de vous saluer cordialement dans un stade de la Praille qui fait vraiment misère à voir. Carlen fait un peu action de jeu, le drapeau se lève pas, Carlen contré. Nuzzolo, la tentative de Nuzzolo et l'arrêt de Jérémy Frick. Ouais, la question c'est, est-ce qu'au début de l'action, Carlen qui s'efface mais qui fait quand même action de jeu avant de s'effacer a eu un rôle à jouer. On va retenir surtout la première opportunité pour Neuchâtel Xamax. Et c'est... qui obtient un deuxième corner une nouvelle fois, c'est Wüthrich qui le botte. Premier poteau, déviation et l'intervention de Laurent Walter, c'est l'action la plus nette de cette première mi-temps avec une magnifique déviation de Stevanovic au premier poteau et quel arrêt réflexe de Laurent Walter. Ah, il s'encourage Laurent Walter, point à l'appui. Nuzzolo, il n'y a pas d'enjeu, Nuzzolo plus rapide que Frick, le contrôle est délicat et Nuzzolo qui n'arrive pas à enchaîner. Hésitation de la surface de réparation. On l'a dit, sans trop de pression, peut-être quand même ce petit zeste avec Willy là, qui va peut-être profiter de cette erreur de Ramizy. Willy pour l'ouverture à la marque. Et Laurent Walter qui ne veut pas capituler, le capitaine Xamaxia, mais quelle mauvaise relance de Ramizy. Douda. Le sang de Douda, Ramizy, boum, sur Nuzzolo, passe décisive, non, c'est du billard. Et à son tour, Jérémy Frick qui répond à Laurent Walter. Alors, partie de billard dans la surface de réparation. Et surtout, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent sur le projet sportif pour l'année prochaine. Se demander quand même, au moment où Ramizy se trouve en bonne situation dans la surface de réparation, Nuzzolo et la déviation de Tréhant. Bon, mais je vais me risquer quand même gentiment à vous annoncer qu'on risque de se quitter sur un 0-0. Parce qu'avec de telles occasions, tenu le champion... En respect ce soir, on fait comme si, hein, du côté de Neuchâtel, vous le voyez avec le président Bagli là, qui, accolade chaleureuse à l'appui, se jette dans les bras de son entraîneur à succès. Eh bien, il l'avait annoncé, on veut venir chercher ce point sur là. Pelouse de Servette, c'est comme si Xamax officialisait tout cela ce soir et le travail qui a déjà commencé. Le président Bagli l'a annoncé à notre micro à la pause avec un gardien et un arrière-gauche qui sont déjà contractuellement dans les rangs de Neuchâtel Xamax pour la saison prochaine.